Effectuer la rentrée politique de son parti, le mouvement Fais nous Bénin, et annoncé par Ricochet son ralliement officiel et à visage découvert à l'un des blocs soutenant les actions du président Patrice Talon. C'est l'objectif de cette rencontre initiée par le docteur Guy Wokou le samedi 1er février dernier à Godomé. Après le mot de bienvenue de la vice-présidente du comité d'organisation, de celui du représentant des jeunes, de la représentante des femmes et du secrétaire général du mouvement Force des élites nationales pour l'Union du Bénin qui a présenté le bureau exécutif du parti, le moment tant attendu est enfin arrivé pour Guy Wokou d'annoncer le bloc auquel il appartient dès ce jour. Devant cette auguste assemblée, je voudrais annoncer la décision que nous avons prise avec nos militants à la base. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis plus d'un an et conformément à la mise en application de la réforme du système partisan, il existe deux grands partis résolument engagés pour soutenir les actions et la noble vision du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Notre rentrée politique de ce jour se fait sous le sceau de l'union et de la fraternité. Nous prenons la lourde responsabilité de dire publiquement qu'à partir d'aujourd'hui, notre mouvement Fais nous Bénin adhère aux idéaux du géant Baobab, l'Union progressiste. Nous prenons donc l'engagement ferme de mouiller le maillot pour que le jaune puisse fleurir dans le ciel au soir du 17 mai prochain avec plus de 106 400 voix, 70% du suffrage total de Godomé. Sa capacité de mobilisation des militants et à ratisser l'âge en faveur de l'Union progressiste à Godomé est d'ores et déjà reconnue par le maire Georges Bara. L'Union progressiste est le parti qui aujourd'hui accueille encore un gros poisson dans l'arène de Godomé. Il faut le dire, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'entendre, Guy Wokou est un élément important et nous l'a dit en se joignant à l'Union progressiste qu'à la vie est bloquée. Godomé est bloqué. La cérémonie s'est achevée par des prestations artistiques.